Plus de 20 ans après sa naissance, ExoMars s'apprête enfin à quitter l'Italie pour rejoindre la base russe de Baïkonour. Quand soudain, le monde est rattrapé par l'actualité. Le 24 février, j'étais à Bordeaux. Je me suis réveillée tôt et j'ai directement regardé le journal télévisé. Quand j'ai vu que la Russie avait envahi l'Ukraine, mon cœur s'est arrêté. L'Agence spatiale européenne est en crise. La Russie, son partenaire dans ExoMars, devient infréquentable. Une question se pose alors très vite. La conquête spatiale peut-elle passer outre cet événement majeur? Peut-on faire décoller ExoMars depuis Baïkonour? J'étais vraiment bouleversée. C'était mon bébé. Je la considérais vraiment comme mon bébé. Et je l'ai perdue.